Bonsoir. Merci, merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. Monsieur le directeur de l'IAE, merci, Jérôme, d'avoir pris cette initiative. Et ça fait vraiment plaisir au président de l'université de voir un amphi composé d'étudiants, de professionnels, de chefs d'entreprise, bien sûr de collègues. Les collègues sont aussi des professionnels. Et merci surtout à Olivier Bouba-Olga, à Catherine Latu. Merci. Vous êtes une des fidèles hein, des réunions débats qui sont organisées à l'université. Et puis à Sacha Houlier, vice-président de l'Assemblée. Nous étions ensemble vendredi soir, puisque les étudiants d'AES avaient eu cette excellente initiative d'inviter trois anciens étudiants de la faculté de droit et d'AES à échanger avec eux sur leur trajectoire professionnelle. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir tous les trois ce soir. Pour une conférence débat qui va être animée par Olivier Coussy, sur la reprise économique dans la Vienne et sur les questions d'attractivité de ce département. Juste un mot d'accueil du président de l'université. L'université est un acteur territorial important sur ces questions de reprise économique. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais trois chiffres. L'université, c'est une ville de 30 000 personnes, 28 000 étudiants, 31 000, 2800 personnels, 185 millions de masse salariale distribuée chaque année, grosso modo 80% de la masse salariale distribuée est dépensée sur la communauté urbaine et sur le département de la Vienne, 22 000 étudiants à Poitiers, puisque nous sommes présents à Angoulême, à Niort, à Châtellerault, 22 000 étudiants à Poitiers, une dépense de 700 euros, 800 euros par mois. C'est plus de 20 millions par mois qui sont dépensés par les étudiants sur la ville de Poitiers et sur les communes limitrophes. Donc, acteur territorial important. Et puis, un dernier chiffre, il y en aura un avant-dernier chiffre. Chaque année, nous investissons entre 12 et 15 millions dans la rénovation des bâtiments, dans l'installation d'une chaufferie biomasse, dans les investissements qui servent essentiellement aux entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres, donc un acteur économique important. Et dans le même temps, moi ce qui m'importe, c'est au regard de la discussion qui va avoir lieu ce soir, c'est la question de l'attractivité. Et en termes d'attractivité, notre université a rejoint, on en parlait avec Pierre, le Brésilien, Pierre Fayard, au cours de l'été, le classement international de Shanghai, ce qui est révélateur de la qualité des recherches en sciences et en santé dans cette université. Classement international qui se traduit très concrètement par de nouveaux liens à l'international. Des collègues juristes reviennent d'une mission à Tokyo et nous allons signer une convention avec l'Université impériale de Tokyo. Et c'est la première fois qu'ils signent ce type de convention avec une université de cette petite université de 28 000 étudiants à Poitiers. Donc le fait d'être dans le classement international de Shanghai, c'est un atout complémentaire pour l'université. Les liens entre les laboratoires de recherche et le monde économique sont des liens importants. Je vous cite juste, je dirais, le chiffre du nombre de conventions que je suis en train de signer en 2017. Aujourd'hui, je suis à 450 conventions signées avec des entreprises, des grands groupes, mais aussi des petites et moyennes entreprises. C'est plus de 20 millions d'euros de conventions qui illustrent les liens entre nos laboratoires de recherche et les entreprises, et donc le transfert technologique qui existe entre nos laboratoires et les entreprises. Donc, acteur territorial important, un acteur qui, en termes de formation, puisque nous marchons sur deux jambes, hein, la recherche et la formation, je voyais dans la presse locale samedi que nous étions la quatrième université en termes de taux de réussite en licence. Nous sommes sur le podium en termes de qualité des formations. Tous ces éléments-là sont des éléments qui conforte l'attractivité de l'université et par définition l'attractivité des territoires dont l'agglomération de Poitiers mais aussi le département de la Vienne. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais écouter Catherine Latu et Sacha Houlier et Olivier Bouba-Olga sur ce thème de la reprise économique dans la Vienne. Donc merci Jérôme, à toi et à l'équipe de direction de l'IAE d'avoir pris cette initiative. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, on peut le dire. Surveillez ce qui se passe à l'IAE, il y aura d'autres initiatives de ce type-là qui illustreront la poursuite de l'ouverture de l'IAE sur son territoire. Donc merci à toi et à ton équipe et puis merci à tous les intervenants pour leur présence ce soir malgré des agendas très très contraints pour tous les trois. Merci.
Monsieur le Président, cher Yves, merci beaucoup de ta présence et de ton discours introductif. Je tiens à remercier tout d'abord les participants à cette conférence, monsieur le député, madame Latu, chers Olivier. Merci infiniment pour votre présence et votre participation à ce débat. Je crois qu'il est important de rappeler en introduction que l'IAE s'inscrit comme un acteur, lui aussi, au sein de l'université, et avec sa spécificité, comme un acteur du développement économique local. Et ce rôle d'acteur du développement économique local s'inscrit radicalement aujourd'hui dans sa stratégie. Il nous faut pouvoir appuyer, venir à la rencontre des entreprises, des organisations publiques, tant du point de vue des étudiants que nous pouvons proposer pour des stages ou des apprentissages, pour les formations que nous pouvons proposer, notamment la formation tout le long de la vie, et puis aussi à travers les recherches que nous pouvons mener ici et qui sont directement destinées aux organisations privées ou publiques pour tout ce qui concerne leurs problématiques d'organisation, de gestion du changement, de mise en place de nouvelles méthodes managériales, ainsi de suite. Donc, nous sommes résolument orientés vers le développement économique local et le cycle de conférences que nous lançons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en est la preuve. Nous voulons, à travers ces conférences, pouvoir discuter des atouts, mais aussi des difficultés de notre territoire en termes de développement économique et social. Alors, à l'heure où l'on parle de reprise économique, une reprise économique fragile. Fragile pourquoi ? Parce qu'elle est menacée de toutes parts, et notamment par des bulles spéculatives, des bulles spéculatives dont on parle de plus en plus. On nous parle aujourd'hui d'une situation qui ne serait pas sans rappeler les difficultés éventuelles, en tout cas, dues à la crise des junk bonds dans les années 1980. Donc la reprise économique est déjà fragile. Et qui plus est, nous, à Poitiers, dans la Vienne, sommes-nous au rendez-vous de cette crise économique, de cette reprise économique, pardon. Le lapsus est intéressant. Le lapsus est superbe. Pourquoi est-il superbe ? Parce que finalement, nous sommes un arrêt éventuel sur la LGV. L'aéroport de Poitiers-Biard est sorti du schéma de développement économique régional. Les projets d'investissement d'avenir nous ont superbement ignorés. La dernière campagne, du moins. Bref, tous les signaux nous laissent penser que nous sommes en nulle part, en non-lieu. Sauf qu'en non-lieu, en grec ancien, ça se dit outopos. Et que cet outopos, ça a été le nom que Thomas More a choisi pour baptiser sa cité idéale. Alors, ne faut-il pas croire aux utopies et se dire que dans un monde où, les décideurs semblent se détourner un petit peu de nous, ou la politique semble se détourner, en tout cas nationale, semble se détourner un peu de nous, eh bien, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Dans les interstices de la République, tout est possible. Donc, j'ai très grand plaisir de donner la parole à Olivier Coussy qui va animer ce débat que j'espère riche, constructif. En tous les cas, voilà, je m'étais promis de faire une introduction qui ne soit pas en langue de bois. Vous l'avez. La parole est à vous. Merci infiniment. Merci Jérôme pour cette vraie introduction. Et maintenant, à charge pour moi de continuer à alimenter et animer ce débat au mieux et cette conférence au mieux. J'aimerais tout d'abord remercier les conférenciers qui ont accepté une règle du jeu nouvelle à l'IAE de Poitiers, qui est la règle des 3 minutes. On a décidé, pour dynamiser l'ensemble de nos débats, conférences, de n'accorder à la réponse à une question que 3 minutes et de, comme ça, susciter de manière plus dynamique des débats, des échanges et de sortir de la traditionnelle et sempiternelle habitude des 3 monologues de 15 à 20 minutes qui se succèdent et qui font qu'au bout du compte, on a plus envie de partir que de rester boire un apéritif qui vous sera offert à l'issue de cette conférence. Donc restez tous pour la fin de la journée. Donc merci à vous. Et cette conférence sera articulée autour de 3 temps.
un premier temps où on va essayer d'avoir une lecture de l'environnement global. Un deuxième temps où on essaiera de faire un focus sur les difficultés d'adéquation du marché de l'emploi aux qualifications et donc aux formations qui sont là et qui ont fait l'objet de nombreux éditos, de nombreux articles dans la presse très récemment. Et puis pour finir, on ira vraiment à essayer de répondre à cette question sur la reprise économique dans la Vienne avec une réflexion sur la perception de la situation dans le département de la Vienne et essayer de voir comment tout ça pourrait évoluer. Bien entendu, le public aura la parole dans une dernière séquence avec un échange direct. On essaiera de repérer des questions en alternant à la fois les étudiants qui sont nombreux et les personnalités de l'extérieur de l'université qui aussi sont venus très nombreux ce soir. Et on vous en remercie. Je rappelle que le titre de la conférence, c'est « La Vienne à l'heure de la reprise économique ». Mais de quelle reprise économique parle-t-on ? Essayons de regarder un petit peu quel est le contexte macro, micro et local pour dresser un petit peu un portrait de tout ça. Ce qui est sûr, et en préparant cette conférence avec Stéphane Nautet, l'économiste maison de l'IAE, on s'est accordé pour dire que les prévisions sont plutôt bonnes, que la croissance va mieux en Europe, y compris avec les pays du Sud. L'Espagne et l'Italie semblent afficher quelques indicateurs qui sont positifs, mais surtout grâce aux pays de l'Europe centrale, y compris la Grèce, qui semble sortir du marasme dans lequel elle était, et qui tire la France dans un cercle plutôt vertueux et qui échappe à ce qui avait lieu depuis quelque temps. De ce point de vue, on peut dire que le gouvernement actuel bénéficie d'une sorte de chance pour construire un budget qui aura des perspectives de croissance à 2018 de 1,7%. Certains économistes disent plus, donc c'est plutôt positif. Et donc on voit s'éloigner progressivement le spectre du déficit budgétaire qu'il faudrait effectivement maintenir en dessous du seuil fatidique des 3%, ce chiffre magique de 3%. Et de ce point de vue, on pourrait dire que Emmanuel Macron, il semble s'accorder avec Bill Clinton, qui à la question « Quelle est la principale qualité d'un président ?» répondait allègrement « La chance ». D'autre part, on a effectivement une note de l'INSEE qui est récemment parue là, en octobre sur le climat des affaires en France et qui nous indique que le climat des affaires est au plus haut depuis 10 ans. L'indicateur qui reflète la confiance des chefs d'entreprise a gagné 2 points au troisième trimestre 2017 pour atteindre 111 points, ce qui est un niveau qui n'a pas été atteint depuis janvier 2008, donc en presque 10 ans, et un niveau bien supérieur à la moyenne de long terme qui se situe à 100. Toutes les branches économiques sont concernées, bon, certaines plus que d'autres. Le secteur industriel est très optimiste, avec un indicateur à 112. Le secteur des services, qui passe de 107 à 109 points, donc il gagne 2 points, avec des perspectives très encourageantes, à la fois dans le transport et dans l'hébergement-restauration. Et puis le bâtiment, qui gagne 2 points avec 107 points. Mais qu'en est-il réellement si on va dans le détail? Donc là, je vais donner dans un premier temps la parole à Olivier Boubaoulga pour essayer de nous faire un portrait un peu plus macro de ce qui se passe dans l'économie actuelle. Merci Olivier. Donc, comme il y a 3 temps, je vais faire un premier temps sur effectivement quelques données de cadrage sur la Vienne, plus généralement sur la dynamique économique. Donc j'ai brassé des chiffres depuis la crise, donc sur la période 2008-2016. Alors, 2008-2014 ou 2008-2016, pour essayer de faire passer 2-3 idées. Alors, je vais comparer des territoires à partir de chiffres. Et dans les 2 autres temps, je dirais qu'en fait, ça, c'est pas très utile de faire ça, mais bon, voilà. Premier graphique, c'est de la donnée. Alors, quand on travaille sur les territoires, il y a plusieurs découpages, échelles géographiques. Là, je raisonne au niveau des zones d'emploi. Il y en a 304 en France. Chaque point, c'est une zone d'emploi. Donc, c'est un graphique. Bon, les économistes aiment bien les chiffres. Donc, en abscisse, c'est le taux de croissance annuel moyen 2008-2014 de l'emploi total, tout secteur d'activité. Donc, si on a un taux de croissance moyen en France, en fait, peut-être ce graphique, ce qui montre, c'est que c'est très hétérogène selon les territoires. En abscisse, ça varie en gros de moins 2 à plus 3% selon les territoires. Et en ordonnée, c'est le taux de croissance annuel moyen d'un sous-ensemble de l'activité, c'est l'activité privée, c'est données à cause. Alors, quand on dit activité privée, données à cause, ça veut dire c'est l'emploi privé, hors agriculture notamment, hein. Donc ça ne couvre pas l'ensemble. Alors, il y a peut-être 2 idées. Alors, les points bleus, c'est l'ensemble des zones d'emploi. Les points orange, c'est les zones d'emploi de Nouvelle-Aquitaine, il y en a 33. Donc ça permet de voir un peu où se situe, et c'est assez hétérogène en Nouvelle-Aquitaine aussi. Hein. Ce que ça montre, ce graphique, c'est que, pour une moyenne France donnée, on a une dispersion des performances assez grande. Donc les dynamiques territoriales
peuvent varier assez fortement. Et deux, on a une bonne corrélation entre les deux. Ça veut dire emploi privé, emploi total, quoi. C'est plutôt bien corrélé. Donc il y a plutôt un mix, quoi, plutôt favorable privé-public. Et puis des mix un peu moins favorables. Après, on peut zoomer sur les zones d'emploi de Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis des petits noms. On s'intéresse à la Vienne. Alors, les zones d'emploi dépassent les découpages départementaux, mais disons qu'il y a trois zones d'emploi dans la Vienne. La zone d'emploi de Poitiers, celle de Châtellerault et celle de Thouars-Loudun. Alors bon, c'est un peu... Je mettrai à disposition des programmes pour ceux qui veulent regarder dans le détail. On a la France, là. On voit ma souris, là. Ouais, OK. La France, c'est le point bleu. Vous avez la zone d'emploi de Poitiers qui est ici. Donc, en abscisse, ça veut dire on est dans la moyenne France. En ordonnée, on est en dessous, donc sur le taux de croissance annuel moyen de l'emploi privé, Poitiers est en dessous. Châtellerault, c'est sur 2008-2014 hein, pour l'emploi total, 2008-2016 pour le privé. Châtellerault est en dessous de la moyenne pour total emploi et très en dessous de la moyenne pour l'emploi privé. Et Thouars-Loudun, vous voyez, est ici. Donc ça va encore moins bien que Châtellerault sur total emploi. Sur le privé, ça va un peu mieux. D'accord ? Et vous avez la dispersion. Forte hétérogénéité, les zones d'emploi dynamiques depuis la crise, Bordeaux, la Thèse de Buche, Bayonne, Villeneuve-sur-Lot, ça va mal, j'en reviens d'ailleurs, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses très très intéressantes à y regarder, c'est pour ça que ce type d'exercice qui consiste à se comparer aux autres pour savoir qui c'est qui est le plus grand, etc., c'est un exercice assez limité, mais c'est des données de cadrage. Hein. Si on regarde zone d'emploi par zone d'emploi sur l'ex-Poitou-Charentes, vous voyez, pour une moyenne France de 0,02%, Poitiers à 0,2, pile dans la moyenne sur l'emploi total. Châtellerault moins 0,3, Thouars-Loudun moins 0,6. Sur l'emploi privé, 0,0% France entière depuis la crise 2008-2016. Moins 0,7 Thouars-Loudun, moins 3 Châtellerault, moins 0,6 pour Poitiers. Et vous avez des performances. Bon, sur l'emploi total, La Rochelle, c'est comme Poitiers. Niort, c'est comme Poitiers. Cognac marche mieux, ça va à Cognac, etc. Comment expliquer ces différences de dynamique ? Donc, comme j'ai que 3 minutes, je vais aller vite, mais bon, pas mal des travaux, et je pourrais développer dans la discussion éventuellement, pensent que, de toute façon, plus on est une grande ville, etc., plus on est dynamique. Empiriquement, ça ne tient pas la route. On brasse les chiffres dans tous les sens avec des collègues. C'est pas ça qui fait la dynamique. Les déterminants essentiels, ils sont de trois ordres. Ce qui tire la dynamique économique, et parfois les chercheurs, notamment les économistes l'oublient, ce qui tire la dynamique économique, c'est avant tout la dynamique démographique. Les territoires qui vont bien, c'est les territoires dont la population augmente. On peut s'interroger sur le sens de la corrélation, mais alors peut-être je ne le ferai pas là, mais après, si j'ai le temps, la démographie compte énormément. Ensuite, quand on regarde un peu quels sont les territoires dynamiques en France, on s'aperçoit qu'on a des effets macro-régionaux. C'est pas d'être petit territoire ou grand territoire qui joue, c'est notamment d'être sur le littoral. Dynamique très favorable sur tout le littoral atlantique et sur un grand quart sud-est, plus région Rhône-Alpes, avec des effets frontières à la Suisse, par exemple, près de la Suisse, où ça marche bien. Et en revanche, un grand quart nord-est qui va plutôt moins bien. Donc, qu'on soit petite ville en Nouvelle-Aquitaine ou petite ville dans le Nord-Est, c'est pas pareil. Et grande ville, idem. Et puis, peut-être le point clé, c'est en fait la dynamique économique, au-delà de la dynamique démographique, est très tirée par les spécialisations, par ce qu'on fait et ce qu'on faisait. Et les territoires qui ont beaucoup souffert de la crise, c'est les territoires qui étaient notamment spécialisés industrie des biens durables, on a repoussé les consommateurs, repousse leurs achats. Donc les territoires spécialisés dans la fabrication de ces biens dont la demande décline, forcément, se portent moins bien que ceux positionnés sur d'autres secteurs d'activité plus pertinents, quoi. Peut-être je m'arrête là sur ce... Voilà, pour dire, on peut avoir une dynamique européenne favorable, éventuellement française favorable. Après, il y a une hétérogénéité à l'intérieur qui convient d'investiguer et puis s'interroger sur ce qu'on peut faire aux différentes échelles locales. Merci Olivier. C'est pour ça que c'est maintenant important d'avoir le point de vue des chefs d'entreprise et de voir dans ce contexte et dans ce genre de dynamique comment eux ils s'inscrivent et comment la performance de leurs entreprises s'établit. Et donc Madame Latu, qu'en est-il dans votre secteur d'activité et puis au niveau des entreprises que vous côtoyez au sein des organismes patronaux ? Alors globalement, sur la dynamique des entreprises sur le territoire national, elle est effectivement orientée à la hausse. Vous l'avez dit, une confiance dans l'avenir plus grande de la part de l'ensemble des chefs d'entreprise. Une hausse dans les services, l'activité des services aux entreprises.
Donc les entreprises réutilisent massivement le recours aux professionnels des services dédiés aux entreprises. Il y a une hausse des créations d'entreprises. On est aujourd'hui avec une orientation justement de ces créations d'entreprises à la hausse et un frein de la détérioration et la disparition des entreprises. Donc les indicateurs de reprise sont effectivement là au niveau national. Pour ce qui concerne le bâtiment, donc un secteur que je connais quand même un petit peu, on a effectivement une hausse globale des mises en chantier sur notamment le dernier trimestre qui est assez important avec plus 7%. Et si on le lisse sur les 12 derniers mois, on est à 14% d'augmentation globale des mises en chantier. Et pour les autorisations, donc ce qui nous permet de nous projeté dans l'avenir, on est sur ces mêmes périodes à plus 10 et à plus 13, un peu plus de 13% sur 12 mois. Donc on voit bien que globalement, les indicateurs des entreprises sont aussi plutôt orientés à la hausse et on est plutôt confiant dans les éléments globaux de conjoncture économique. On verra après qu'il y a quelques éléments d'inquiétude et qui sont un peu plus locaux. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ben, faisons réagir l'homme politique présent à cette tribune. Quel est son sentiment par rapport à ces circonstances, à ces données macro qu'on vient d'avoir? Et est-ce conjoncturel, structurel? Est-ce que la politique gouvernementale a fait avancer les choses? Ou est-ce qu'il est trop tôt pour en parler aujourd'hui? Bien. Alors moi, je voudrais être hors sujet au départ, puisque je voudrais parler vraiment à l'échelle européenne et française. Et vous avez dit en introduction, vous avez fait une analogie que le président ne rejetterait pas avec Bill Clinton. Je pense que vous avez parlé de chance, mais la chance, elle sourit d'abord aux audacieux. Et elle sourit aussi aux astucieux. Et de ce point de vue-là, on a fait un pari qui est le nôtre, qui est de se dire que lorsqu'il y a une reprise telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'il y a une reprise qui est conjoncturelle, le nier, ce serait être de mauvaise foi. Alors, on sait très bien faire, évidemment, on fait de la politique, mais là, ce n'est pas le sujet ce soir. C'est une vertu plus pédagogique, d'après ce qui m'a été dit. Et donc, la volonté qui a été de la nôtre, elle est de se dire, de capter, finalement, quel est le pouls de la reprise économique pour l'amplifier. C'est l'aspect libéré du programme que l'on développe, pour finalement nous protéger vis-à-vis de nos partenaires européens et faire retentir une voix particulière. Là, c'est l'aspect des 3%, je vais y revenir sur ces sujets-là. Et puis, pour donner un cap à ce qu'est la reprise. Parce que cette reprise-là, si on ne la caractérise pas, si on n'en profite pas, si on ne l'oriente pas, elle sera vaine. Et l'aspect conjoncturel que l'on connaît aujourd'hui, finalement, on le subira. Et il refluera de la même façon qu'il est arrivé. Donc, je vous disais libéré. Vous avez vu que les 6 premiers mois du quinquennat, et ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, ont fait l'objet de nombreuses dispositions. D'abord pour libérer la façon dont on crée les richesses en France, et donc dont on donne les moyens aux gens de s'entendre dans les entreprises, dans les branches, la façon dont on fait confiance aux personnes pour que, tel que par ailleurs, on demande de la confiance vis-à-vis d'entreprises, mais on fait confiance pour s'organiser localement et pour s'organiser finalement au plus près des gens qui produisent les richesses. Mais cette confiance et cette liberté, elle a un prix, c'est celle du travail. Et ce prix du travail implique que ceux qui travaillent envoient le fruit, et donc soient payés pour ça. Et donc c'est la raison pour laquelle tous les dispositifs que l'on met en œuvre valorisent également ceux qui travaillent. Donc baisse de cotisation salariale payée par les employeurs, pour qu'ils emploient, baisse de cotisation salariale payée par les salariés, pour qu'ils reçoivent le fruit, mais en tout cas une dynamique globale qui veut que la politique de l'offre qui a été entreprise à l'initiative du président de la République actuel sous le précédent quinquennat, mais amplifiée ici, soit reconduite. Sérieux. C'était le deuxième aspect quand je vous ai parlé de l'Union européenne. On a fait un choix aussi d'un budget sérieux. On pouvait choisir d'amplifier une reprise économique en ayant des investissements. On le fait. Ce sera mon troisième point. Et c'est là où je pense qu'on peut avoir dû en même temps, puisqu'on n'est ni totalement Smith, ni totalement Keynes. On a une vraie logique qui est couplée. Et donc, sur ce sérieux, c'est la façon dont on respecte le cap des 3%. On ne fait pas le 3% pour s'amuser. On n'est pas là pour dire... vis-à-vis de l'Union européenne, le cap du 3%, c'est indépassable. On fait ça pour retrouver un sérieux vis-à-vis de nos partenaires et pour exiger d'eux des investissements colossaux.
Il y a des investissements qui ont été faits à l'échelle de l'Union européenne et qui participent aujourd'hui à la reprise économique que l'on connaît. Le plan Juncker de 300 milliards d'euros, on l'estime très largement insuffisant. Parce qu'on estime que c'est du saupoudrage à l'échelle d'une puissance qui aujourd'hui représente 350 millions d'habitants, qui représente le plus grand marché libre du monde, si on le considère entre différents pays, et qui aujourd'hui, avec les accords douaniers que l'on peut conclure, assortis de protections qui sont aujourd'hui inefficaces, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sur le CETA, et c'est un autre rôle aussi de faire monter les protections en Europe. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, on estime qu'on doit renforcer notre crédibilité vis-à-vis de l'Union européenne pour renforcer les leviers de l'Union européenne vis-à-vis de notre investissement dans notre pays. Donc, je vous ai dit libéré, je vous ai dit le sérieux. Et puis, le troisième aspect, c'est le cap. Quand on fait en 2008 la crise, il y a un président de la République que j'appréciais pas forcément à l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il a une idée, et là je vais prendre un raisonnement très casuistique, une idée qui est de dire tous les gens qui n'achètent plus de véhicules mettent en situation de crise l'industrie automobile. Et donc, il faut relancer cette industrie en accordant une prime à la casse. Prime à la casse, d'ailleurs, réservée aux véhicules neufs. Mais on s'arrête à cette étape-là. Et on ne caractérise pas la reprise. On ne lui donne pas du sens. Cette reprise, elle aurait pu être verte. On aurait pu dire, d'abord, on donne 1 000 euros à toutes les personnes, y compris s'ils achètent un véhicule d'occasion. Mais en plus, on incite les gens à acheter des véhicules moins polluants. Et c'est la logique que nous, on suit, où on voudrait que tout ce qui est l'investissement public aujourd'hui le soit en faveur d'un secteur en particulier, celui qui participe à la rénovation énergétique de nos bâtiments, celui qui participe à la création d'une énergie verte, celui qui participe au renouvellement des parcs automobiles, parce que l'investissement qu'on fait, il sera productif demain par lui-même. Et ça, c'est une caractérisation de la reprise, l'orientation qu'on veut lui donner. Donc, liberté, sérieux, et puis orientation. Merci, mais il subsiste quand même un point qui est assez noir et qui est une spécificité française, c'est le chômage. Et le chômage, cette spécificité à la française, hein, des fois, à la française c'est bien, mais le Made in France, des fois ça peut être un peu négatif aussi, fait dire aussi que tout n'est pas rose. Et moi je reste marqué par un édito de Jean-Marc Littori la semaine dernière, une semaine jour pour jour dans les Échos, qui était assez révélateur et qui titrait « Un drame français, trop de chômeurs, pas assez de bras ». Alors je sais, à l'IAE, on ne comprend pas ça parce que nous, nos étudiants, ils sont embauchés très rapidement. Et ils trouvent de l'emploi et il y a adéquation. Mais malgré tout, dans cet éditorial, ils constataient avec effroi qu'il y avait une difficulté qui devenait en fait le premier frein à la croissance et qu'on pouvait, par cette problématique du chômage et de l'inadéquation du marché de l'emploi avec l'offre en face, de faire un frein à la croissance, principalement dans les PME, qui sont les premières à souffrir de cette inadéquation. Au point que certains observateurs craignent que la croissance commence à buter sur les capacités productives de l'économie française en déficit chronique. Je reprends les propos d'un cabinet de conseil. La question qui se pose, c'est comment résoudre cette pénurie de compétences. On parle beaucoup de formation permanente, d'amélioration des connaissances de base à l'école, au collège, mais il y a des effets d'inertie. Il y a un temps qui est non négligeable entre le moment où on forme et le moment où on va se retrouver sur le marché de l'emploi. Et comment être sûr qu'à un moment donné, des polisseurs, des métallurgistes soient en adéquation avec une demande actuelle qui ne sera peut-être pas la demande future, y compris pour les chauffeurs routiers. Il n'y a aucun secteur qui n'échappe à cette logique-là. Et là, j'aimerais revenir sur Olivier Bouba-Olga, lui demander que pense l'économie des territoires de ce formidable gâchis. Peut-être plusieurs choses. D'abord, sur la problématique chômage. Bon, c'est toujours pareil. Hein, sur les indicateurs qu'on mobilise derrière le chômage, il peut y avoir plein de choses. Il y a peut-être une première idée à faire passer. On a une régularité empirique assez forte. En gros, les pays qui font la création d'emplois, qui font de la croissance, font de la création d'emplois et parviennent à réduire le chômage. Donc à l'échelle macro, ça marche bien. À l'échelle des territoires, c'est assez faux. On a des territoires où on a beaucoup de création d'emplois et beaucoup de chômage, des territoires avec peu de création d'emplois, peu de chômage. Enfin, on a toutes les configurations possibles. Les territoires où on a le plus de chômage en France, c'est le nord de la France. On crée très peu d'emplois et il y a beaucoup de gens au chômage. Et c'est le sud-est. On crée beaucoup d'emplois. Mais il y a beaucoup de chômage, parce que c'est des territoires attractifs, parce que c'est de l'emploi saisonnier, etc. Vous prenez le cœur de la France, taux de chômage faible.
Mais parce que les gens qui prospectent, qui cherchent du boulot, ils vont le chercher ailleurs. Donc, donc attention à cet indicateur-là. Après, la problématique, mais alors que je trouve sur tous les territoires, c'est cette problématique de des entreprises veulent recruter, n'y arrivent pas. Mon intuition en tant que chercheur, pour avoir lu pas mal de choses sur le sujet, c'était bah oui, mais ça c'est spécifique. À Châtellerault, forcément, on rame parce que les gens, ils n'ont pas envie de venir à Châtellerault, etc. Sur les dernières semaines, sans vous mentir, je suis allé à Bordeaux, à Lyon, Toulouse, etc. C'est le même problème. Ce problème, donc croire que les entreprises ont du mal à recruter parce qu'on est dans la Vienne, que les gens ne veulent pas y venir, je relativiserai très, très, très fortement. C'est une problématique. Donc, alors après, c'est pourquoi ? Donc on a plein de boîtes. Sur des territoires avec faible chômage et même fort chômage, des boîtes veulent recruter, n'y arrivent pas. Et donc la question, c'est comment ça se fait ? Alors on peut avoir des discours assez. Parce que les chômeurs, ils ont des allocations. Non. Ça, c'est empiriquement, c'est très très faux. On peut avoir des problèmes de formation des personnes. Donc, on veut recruter, les gens en face n'ont pas les compétences adaptées. On peut avoir des problèmes de mobilité spatiale des personnes. Il y a du boulot disponible, mais la personne qui recherche de l'emploi n'est pas sur ce territoire-là. On a des grosses problématiques, parce que les secteurs qui recrutent, c'est notamment l'industrie, des grosses problématiques d'image de l'industrie. On n'y va pas, on n'y pense même pas, parce que c'est sale l'industrie, parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, etc. On a beaucoup de personnes. Jeunes et parents des jeunes, à la limite plus, qui sont très influents dans ce que font les jeunes, qui ont une image assez dégradée de l'industrie et assez décalée par rapport à la réalité actuelle. On a aussi, et c'est pour ça que c'est pas un sujet simple, on peut aussi avoir des problématiques hors travail, c'est-à-dire quelqu'un aimerait bien prendre un boulot, bah ouais mais j'ai des enfants et je sais pas comment faire garder mon enfant, ou ah bah oui mais en fait j'habite loin puis il n'y a pas de transport et puis c'est compliqué, etc. Donc en fait ça appelle à des politiques assez multidimensionnel. Mais encore une fois, on retrouve ces problèmes-là sur tous les terrains. Et je pense aussi qu'il y a des questions, peut-être j'anticipe un peu sur... Je pense aussi qu'il y a des questions à se poser côté entreprise. C'est-à-dire, on a aussi des chefs d'entreprise qui se disent « Bon, ben moi, la semaine prochaine, j'ai besoin d'un soudeur. Là, je voudrais un soudeur qui soit efficace dès lundi prochain. » Ben ouais, mais non, en fait. C'est-à-dire, c'est la problématique aussi de que font les entreprises pour... attirer, motiver, former en interne, etc. Donc je pense que c'est vraiment du... C'est pas pour stigmatiser, mais pour dire que la problématique, elle est vraiment générale et c'est l'ensemble des acteurs qui devraient se poser des questions, notamment côté entreprise, notamment côté aussi appareil de formation, formation permanente, organisme de formation qui ont vocation à... Alors on pourra développer sur des cas très picto-charentais. Je commence à travailler sur le Châtel-Rodet où les besoins d'emploi sont estimés à plusieurs centaines, voire milliers de personnes à recruter. Et après, les enjeux sont lourds, parce que les boîtes, elles ont potentiellement des marchés. Et si on n'arrive pas à recruter, on perd les marchés. Donc on décline. Et comment on met en place un système en face pour former... Et ça veut pas dire... Et il y a du chômage. Mais comment on arrive à faire matcher, quoi ? Comment on arrive à faire matcher ? Et donc ça pose des milliers de questions. Et ça, c'est les vraies questions. Et la mauvaise question, c'est est-ce que le taux de croissance de l'emploi de Poitiers est supérieur à celui de La Rochelle ? Est-ce que le taux de croissance de Châtellerault est supérieur ou inférieur ? Ça, c'est les mauvaises questions. Là, on est dans. En revanche, la bonne question, c'est tiens, dans tel secteur, sur tel territoire, on a besoin de recruter, on n'y arrive pas. Comment ça se fait ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place localement ? Comment on peut fédérer les acteurs pour arriver à répondre aux besoins des entreprises et puis des gens qui ont envie de retrouver du boulot, quoi. Justement, Madame Latu, quelques retours d'expérience, quelques témoignages, puisque on a la chance d'avoir une chef d'entreprise qui est confrontée à ce problème. Donc, alors, je rebondis bien évidemment. Dire que les entreprises cherchent à recruter aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des milliers d'emplois qui sont recherchés aujourd'hui et des offres, des milliers d'offres d'emplois dans la Vienne. Et effectivement, beaucoup de difficultés à trouver les profils qui correspondent à ces offres d'emploi. Vous disiez tout à l'heure qu'un des arguments de dire les demandeurs d'emploi ont des indemnités et ne veulent pas aller sur l'emploi. J'ai quand même des expériences et le bâtiment a détruit, enfin le secteur du bâtiment a détruit pendant les années de crise, donc depuis 2008, sur la Vienne, plus de 6000 emplois. Donc un certain nombre d'entreprises ont disparu et des plans sociaux ont eu lieu. Pendant les périodes de liquidation, les entreprises du secteur recevaient
de la part des liquidateurs des profils avec un certain nombre de postes, enfin d'emplois et de personnes sur ces emplois-là. On a plusieurs entreprises peuvent en témoigner. On a répondu à ces liquidateurs ou administrateurs en disant qu'on était intéressé par plusieurs de ces profils et on n'a jamais eu de contact avec les personnes qui rentraient sur un dispositif, notamment de CSP. Donc, bon, il est normal et c'est une nécessité lorsqu'on est en période effectivement de destruction massive d'emplois de trouver des mécanismes de solidarité. Mais il ne faut pas que les mécanismes de solidarité contribuent à éloigner les personnes qui étaient dans l'emploi, à éloigner de ces emplois-là. Après, pour ce qui concerne effectivement le secteur de la construction, je peux entendre qu'il y ait eu des reconversions, certainement. Mais sur les 6000 emplois qui ont disparu, aujourd'hui les entreprises recrutent et ne retrouvent pas dans les rangs de Pôle emploi. Et pourtant, si on regarde les listings des personnes du secteur de la construction, il y en a encore un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre, qui sont inscrits. Voilà. Donc, on retrouve effectivement sur ces emplois-là le secteur de l'intérim. Donc, les salariés se sont effectivement inscrits en intérim. Et on a déjà eu cette conversation. Aujourd'hui, les entreprises qui effectivement ont vécu 10 années ou 9 années très compliquées en termes de carnet de commandes n'avaient pas la faculté de proposer ou à la marge massivement des emplois en CDI à l'ensemble des personnes du secteur. Mais aujourd'hui, on peut le faire, en tout cas pour un certain nombre, et on ne trouve pas, et surtout, les personnes préfèrent rester en intérim pour conserver une certaine liberté, des niveaux de rémunération qui prévoient un certain nombre d'éléments, et notamment la prime de précarité qui est inclue dans la rémunération. Donc voilà, cette distorsion, et en même temps on peut comprendre, et les entreprises peuvent comprendre, qu'effectivement les attentes des salariés et ce besoin d'être un peu plus maître de son temps de travail ou de non-travail, la difficulté c'est que la période de non-travail, c'est la solidarité nationale qui la rémunère. Donc il faut se poser la question de savoir voilà, vers quoi on veut tendre. Mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les entreprises doivent réfléchir à la manière dont elles gèrent leurs ressources humaines et effectivement proposer peut-être des contrats ou en tout cas un mode de management différent. C'est ce sur quoi on réfléchit avec les organisations patronales, qu'elles soient branches ou interbranches, pour aller vers des entreprises un peu plus agiles qui seraient plus en adéquation dans leur mode de management avec les attentes notamment des plus jeunes de nos salariés. Voilà. Mais c'est vrai que cette problématique de destruction d'emplois dans la Vienne aujourd'hui, et tous les secteurs sont... moi je vous parle du bâtiment parce que c'est un secteur que je vis au quotidien, mais pour échanger avec des confrères, tous les secteurs sont impactés. Et on parlait d'image de certains de ces secteurs, industrie ou bâtiment, ce sont effectivement pas des images qui ont fait rêver. Mais on doit faire notre introspection aussi. Pour ce qui concerne le bâtiment, on a largement communiqué sur notre problématique volume d'affaires et donc sur ces difficultés de maintenir les emplois dans nos entreprises. Donc fatalement, les parents, s'ils ont eu à orienter leurs enfants, ils n'ont pas forcément orienté vers le secteur du bâtiment. Parce que sur une période donnée, et quand même qui a duré un certain temps aujourd'hui, le secteur a été très chahuté en termes d'activité.
on peut prendre des mesures, on peut faire des choses. Bon, on sait qu'à chaque fois qu'on essaye de mettre en place des règles, il y a des stratégies de contournement, hein, en management, c'est bien connu. Mais quand même, ça peut être utile. Que peut faire le législateur pour améliorer cette situation, ou tout du moins minimiser ces écarts et faire en sorte qu'il y ait des effets de levier, vous parliez de levier tout à l'heure, qui puissent venir supporter à la fois le milieu économique, mais aussi le territoire dans cette perspective. Bon, alors c'est le moment où je me fâche avec tout le monde en parlant de formation professionnelle. Bon, non, moi ça va. Non, pour répondre d'abord, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu nous expliques que le rapport de force, tel qu'il est construit dans l'entreprise, et tel qu'il résulte d'une négociation, il peut être tout à fait équilibré, voire déséquilibré, mais pas forcément en faveur de l'employeur. Parce que dans la situation dans laquelle tu te trouves, et dans la branche du bâtiment se trouve, en réalité, le rapport de force, il est en faveur de celui qui est susceptible de proposer ses services. Puisque, par nature, il est en situation de refuser ou de changer très rapidement de corps de métier. Alors, dans les grilles salariales qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, et en fonction des postes qui sont occupés, dans la possibilité également de créer sa propre boutique, mais ça montre aussi l'essence même qu'on peut donner à la co-construction, ou du moins à la construction d'un dialogue qui laisse une partie de grande liberté pour qu'il y ait une construction dans les entreprises ou les branches. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on a fait comme constat très rapidement, quand on s'est rapproché d'Emmanuel Macron, et on n'était pas nombreux en 2015, c'est qu'il y avait quand même une grande imperméabilité entre les types de contrats, entre les branches et entre les métiers. Quand vous commenciez à avoir une formation qui était une formation initiale ou une formation professionnelle continue, d'abord, vous n'avez accès à la formation professionnelle continue, donc vous aviez accès à la formation dans l'entreprise que si vous étiez en CDI, ce qui limite quand même un peu la possibilité, parce que ça veut dire que ceux qui en bénéficiaient le plus, c'est ceux qui en avaient le moins besoin. Et que ceux qui étaient sur des contrats courts, de l'intérim, des CDD, et encore des CDD, ils avaient déjà une visibilité, mais plutôt les intérimaires, eux, ils ne voyaient jamais la couleur d'une formation professionnelle. Y compris même ceux qui, après, étaient sur des catégories socio-professionnelles un peu moins élevées. Et c'est ce qui nous avait valu le débat à l'occasion de la première sortie sur ce qu'on avait qualifié certains ouvriers d'illettrés, qualificatif qu'on était allé chercher dans un rapport de la CGT à l'époque, mais de la grande difficulté finalement de reformer des gens, parce qu'ils avaient travaillé 30 ans dans une entreprise sur une même fonction, de sorte que ensuite, lorsqu'on avait une fermeture qui était liée à un plan social, il y avait une grande difficulté par rapport à la période qui permettait de les réintroduire. Et ça, ça nous a quand même alerté beaucoup sur ce qu'était et la formation initiale et la formation continue. Alors sur la formation initiale, c'est quelque chose qu'on a entrepris, où on va essayer dans ce qui est la réforme et du cycle universitaire et du cycle secondaire de demander la publication des résultats d'insertion professionnelle, le degré de rémunération des gens lorsqu'ils sont formés, et puis également d'avoir certains attendus avant de rentrer, on en a parlé déjà vendredi, avant de rentrer dans une formation universitaire, pour pouvoir se dire, vous allez sur une formation dans laquelle vous pourrez suivre si vous faites quelques efforts préalables. Ça, c'est sur ce qu'on fait sur la formation initiale. Tout en prenant aussi notre part sur ce qui est la formation dans les lycées aujourd'hui, parce que tous ceux qui ont vu un conseiller d'orientation, si tant est qu'ils en aient vu un, savent qu'on n'en ressort pas beaucoup plus instruits après qu'avant. Et donc ça pose déjà une difficulté. Deuxième difficulté, c'est aujourd'hui la clarification de qui forme qui. Parce qu'on a des contributions qui sont versées par les entreprises, parce qu'on a des versements qui sont effectués par l'État ensuite, dans lesquels on cherche à former trois types de publics si on tire à gros traits. Un, les apprentis, les alternants. Deux, les chômeurs. Et trois, les personnels qui sont déjà salariés. Alors j'inclus évidemment dans les salariés les personnels qui pourraient ressortir de la fonction publique et qui relèvent d'une catégorie spéciale, mais en tout cas qui ont un statut employé. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs, mais qu'on n'a aucun pilote. Et notre volonté, c'est de donner des pilotes, pour savoir qui est responsable, si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce qui occupe aujourd'hui de grandes discussions avec les régions, qui sont maîtres dans le secteur de l'alternance et l'apprentissage, et pourtant on voit qu'il y a des grandes difficultés à trouver sur ces secteurs qui pourraient employer assez jeunes et accompagner les jeunes dans l'entreprise très tôt. Ça pose des grosses difficultés par rapport aux entreprises, parce que quand on va revoir le système de formation des chômeurs ou des salariés et qu'on va toucher au financement du 20%, je pense que ce sera à grand cri,
et pour les entreprises comme pour les branches. Mais en tout cas, ça implique pour nous de dire, pour chaque public, on a un pilote qui est responsable et qui demain, si ça ne fonctionne pas, et doit pouvoir nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas, et on doit pouvoir corriger assez immédiatement sur qui fait quoi ou quand comment. Je m'imagine, j'espère qu'on n'a pas un conseiller d'orientation dans la salle, sinon on va avoir des problèmes. Mais quelque part, oui, ça fait appel du passé aussi pour moi et du vécu. Bon, ça va mieux. Mais maintenant, il est peut-être temps, dans ce troisième temps de la conférence, malgré ces difficultés, de regarder un peu dans la Vienne, regarder à l'échelle micro ce qui se passe, si c'était l'objet de cette conférence. Alors, certains vont dire que je vais partir dans ma traditionnelle croisade anti-SNCF, ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'on va regarder passer le TGV de la croissance, comme on le voit passer le TGV sur la nouvelle ligne grande vitesse en évitant soigneusement Poitiers Si Jérôme Méric, au début de la présentation de cette conférence, nous parlait et faisait référence à l'île d'Utopie et à l'ouvrage de Thomas More, il ne faut pas oublier que dans l'ouvrage de Thomas More, l'île d'Utopie, en fait, elle a été rendue possible parce qu'il y a eu le creusement d'un isthme entre l'île et le continent, et entre la ville d'Abraxa, cette terre conquise d'Abraxa, qui était la ville des fous d'Erasme. Et effectivement, on a creusé cet isthme et on a détaché l'île du continent. Et ce lieu qui était très protégé, il rebuta alors les voyageurs par sa difficulté d'accès. Et il offrait des barrières naturelles, mettant l'île d'Utopie à l'abri de toutes les influences extérieures. Et c'est là le danger. Comment éviter que le département de la Vienne ne se retrouve dans cette situation ? On pourrait aussi arrêter de penser les territoires comme des choses très restrictives, parce qu'il y a des flux. Il y a des systèmes d'interdépendance, et je vais demander à Olivier Boubalga de réagir là-dessus. Et quoi qu'en disent les chiffres, les indicateurs, la croissance, ce n'est pas un truc uniforme, un machin qui serait partout identique. Et on doit interroger les opportunités à saisir et poser peut-être des questions qui fâchent. Et donc, quelles sont les politiques publiques pour les territoires pour que chacun puisse en prendre les bénéfices ? Quelles peuvent être ces politiques à l'échelle nationale, locale, afin que cette différence territoriale dont Olivier Boubaolga se veut être le défenseur aujourd'hui, et je ne saurais que trop vous conseiller, c'est la minute de pub. Merci Olivier. De lire, j'ai les bons de commande aussi ici, hein, mais vraiment vous ferez une très belle acquisition en lisant cet ouvrage qui est remarquable, qui est synthétique et qui justement met les contre-exemples et les signes noirs dont on a besoin en science pour pouvoir progresser et qui fait qu'on a une éloge de la différence territoriale. Alors, il faut que cette éloge, ça soit une utopie, effectivement, cette différence territoriale, mais ça ne doit pas être une utopie qui sépare, ça doit être plutôt une utopie qui rassemble ce qui est épars. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'il y a un modèle possible ? Et Olivier Boubaolga, est-ce qu'on a un modèle de politique à conduire ? Donc, forcément, non. Pas de modèle. Non, peut-être deux idées enfin, qui me semblent importantes. La première idée, c'est... J'ai totalement confiance et je pense, enfin conscience, et je pense que c'est très important d'avoir des règles nationales, un cadre. Moi, ce que j'appellerais de mes voeux, c'est un complément de la vraie décentralisation et pas de la décentralisation à la française, comme on a eu dans les années 90 où on a dit au territoire, oui, c'est vous, hein, c'est vous les chefs, mais par contre, vous faites des systèmes productifs locaux. Quelques années après, oui, c'est vous, hein, c'est les territoires, hein, mais par contre, vous faites des pôles de compétitivité. Où à chaque fois, en fait, on dit au territoire, oui, ça doit partir de la base, mais on vous explique le modèle à développer. Une vraie politique de décentralisation, ce serait de dire, on vous fait confiance, voilà les objectifs, un peu à l'échelle nationale, qu'on s'assigne collectivement. Vous connaissez mieux que nous votre territoire, votre contexte, les problématiques à traiter. Pour atteindre cet objectif qu'on partage nationalement, inventez les réponses, inventez vos solutions. Et on vous suivra si vous parvenez à atteindre les objectifs qu'on s'est collectivement assignés. Donc ça, ce serait une vraie politique de centralisation. À ma connaissance, j'en ai pas encore vu véritablement. À mon avis, on a des choses à faire à ce niveau-là, quoi. Parce que effectivement, ce qui caractérise, enfin, franchement, pour me balader sur les territoires, partout, on a des opportunités super intéressantes, des gens créatifs, des projets, etc. Mais qui sont insuffisamment mis en évidence ou valorisés, me semble-t-il. Et puis la deuxième idée.
qui est de plus en plus importante à mon avis, c'est vraiment que les territoires arrêtent de se penser en concurrence les uns avec les autres. C'est d'ailleurs prendre acte de l'ensemble des interdépendances qui nous relient, qui font que l'économie, enfin ce que je dis, c'est ma casquette d'économiste, mais c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas un match de foot. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme positive. Ça veut dire si on travaille et si on collabore bien ensemble, ça veut dire on sera capable collectivement de créer plus de richesses. Et c'est pas France-Allemagne ou non, c'est voilà. Et ces interdépendances là, alors ouais, des fois vite fait, oui, on sait. Mais après, quand les politiques travaillent sur leur territoire, ils raisonnent sur leur périmètre d'intervention. Alors, forcément, pour s'il y a des gens de Poitiers, Châtellerault dans la salle, mon petit dada en ce moment, c'est de dire, savez-vous que tous les matins, nous avons 4500 personnes qui résident à Poitiers, qui vont bosser à Châtellerault, et que chaque matin, dans le même temps, il y a 4500 personnes qui résident à Châtellerault et qui viennent travailler à Poitiers. Ça fait 10 000 personnes, matin et soir, qui circulent. Est-ce que les élus de la ville de Poitiers, de l'agglomération de Poitiers, échangent avec des gens pour savoir, peut-être il y a quelque chose à faire, peut-être ça marche très bien comme ça, etc. Bon, ça c'est un tout petit indicateur sur les mobilités, domicile, travail, des interdépendances qui existent entre les territoires. C'est vrai sur cette mobilité, domicile, travail, c'est vrai sur les relations achat-vente entre les entreprises, c'est vrai sur les relations entre sièges sociaux des entreprises et établissements, etc., etc., etc. C'est vrai entre Poitiers et Châtellerault, c'est vrai entre plein de territoires. Donc déjà, se considérer comme appartenant à un système d'interdépendance qui dépasse très largement les périmètres d'intervention des territoires, identifier ça et se dire qu'est-ce qu'on a à faire collectivement pour. Et sur mon petit exemple, ben peut-être qu'il y a des petites réflexions à avoir sur ne serait-ce que transport public, est-ce qu'il y en a, est-ce que c'est efficace ou pas, qu'est-ce qu'on a inventé pour réguler un peu ça. Et c'est presque un enjeu, enfin, honnêtement, plus ça va, plus je me dis, les problématiques à traiter sont des problématiques de représentation des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ça. Je suis en charge du développement de tel territoire, donc je me sens en concurrence avec, donc je me compare. Non, hop, je fais partie d'un système d'interdépendance, j'identifie un peu ce que j'ai à faire sur mon territoire, je regarde un peu les relations importantes, et puis, bah tiens, avec qui ? Ah, bah tiens, peut-être il y a des trucs à bosser avec tel autre territoire, parce qu'on partage des enjeux communs, et dans ce cas-là, ça va motiver pour trouver les réponses en face. Donc, à mon avis, c'est ces deux éléments-là, c'est-à-dire respecter la diversité des contextes territoriaux et se dire, dès lors, les problématiques ne sont pas les mêmes, et donc les réponses en termes de politique publique ne sont pas les mêmes. Premier point. Et deuxième point, attention, sortons de la concurrence territoriale, et disons-nous, on fait partie de systèmes interdépendants, identifions les enjeux qu'on a à partager. Pour prendre un autre exemple, sur les problématiques de recrutement des entreprises industrielles sur Châtellerault, Châtellerault n'est sans doute pas le périmètre le plus pertinent pour penser les réponses en termes de formation. Peut-être qu'il y a intérêt à agréger les besoins qui existent sur les territoires environnants et à se dire, bah tiens, mutualisons nos ressources. Et créons des formations, parce que Poitiers a des appareils de formation potentiellement adaptés, etc. Mutuelle, et hop, et puis là, on apporte une réponse. Bon, bah c'est, ça semble, enfin, moi, je me dis, c'est assez évident. Et en même temps, ça suppose des modifications dans la représentation des acteurs qui sont assez profondes, mais pas inatteignables. En tout cas, c'est le pari qu'on peut essayer de faire. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il y a un écueil, c'est que souvent, une partie des acteurs, en plus de ne pas avoir les mêmes représentations, se sentent exclus du jeu. Et moi, j'ai un peu la question pour Catherine Latus, c'est comment on peut faire pour que les entreprises ne se sentent pas exclues du jeu de ces politiques à conduire pour la dynamisation du territoire et que, effectivement, elles soient bien partie prenante de ces politiques. Alors, vous disiez tout à l'heure que effectivement, il n'y avait pas de concurrence entre les territoires. On a quelques exemples dans la Vienne d'entreprises qui ont été créées sur la Vienne, start-up dans un certain nombre de secteurs, agriculture ou même métiers du numérique, qui ont effectivement innové dans la Vienne et qui, pour se développer, ont été contraintes de quitter le territoire. Donc, on se pose la question de savoir ce qui manque dans ce territoire. Et effectivement, on disait la visibilité pour attirer les profils qui seront nécessaires au développement de nos entreprises ou de ces entreprises.
mais également lorsque on souhaite, après on peut travailler avec effectivement tous les acteurs, je pense que c'est même indispensable. Mais il y a des prérequis à mettre pour que justement ce développement économique se réalise. J'en veux pour exemple la difficulté des entreprises à avoir dans une bonne partie des territoires de la Vienne des réseaux numériques. Vous parliez du transport tout à l'heure, c'est une chose. Mais il y a d'autres réseaux aujourd'hui dont les entreprises ont besoin, c'est les réseaux numériques. Et on voit bien que le territoire de la Vienne est quand même assez inégalement pourvu. Sachant que sans ça, le développement devient quasiment impossible. Les échéances qui sont données sont à 5 ans, 5-6 ans. Et en fait, on a besoin de ça tout de suite, c'est même déjà trop tard. On a des enjeux, alors je vais revenir à un secteur que je connais, qui est la construction et le développement de la maquette numérique. On essaie tous de s'inscrire dessus, mais aujourd'hui, on a quand même des difficultés à travailler sur des serveurs déportés parce qu'on n'a pas les flux. Donc, que faire ? On se pose la question à ce moment-là. Est-ce qu'on se bat contre des moulins à vent et on essaie de maintenir nos outils sur le territoire, ou est-ce qu'on envisage effectivement d'aller se développer à l'extérieur ? Voilà. Donc ça fait partie des questionnements. Et c'est vrai que c'est un investissement fort, mais dont on a essentiellement besoin. Globalement, sur les identifications des problématiques, et même si on essaie effectivement de ne pas se comparer, on est quand même un peu obligé d'admettre qu'il existe des attractivités naturelles, que sont les métropoles ou les zones littorales. Et néanmoins, quand on questionne des dirigeants d'entreprise ou même des dirigeants de services d'administration qui sont venus s'installer à Poitiers, ils y trouvent une qualité de vie assez incomparable. Et donc, on manque, je pense, cruellement de le faire savoir et de communication positive sur ce sujet. On a dit que la Vienne devait communiquer et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la synergie des acteurs politiques locaux, je pense que les entreprises souhaitent effectivement qu'il y ait une mise en place globale d'action vers l'extérieur, de visibilité, pour promouvoir tous les atouts de la Vienne, et les entreprises sont prêtes à s'investir là-dessus. Et on voit bien que les mouvements massifs, comme on a pu les vivre avec le dispositif Entreprise en Vienne, le rendez-vous, c'est quelque chose qui renvoie une image de dynamisme de la Vienne. Donc je pense qu'il y a des choses à développer. Et puis après, ce qui permettrait aussi d'aller vers des opérations d'expérimentation, parce que certainement que les grandes méthodologies ne sont pas forcément duplicables dans tous les secteurs, dans tous les services et dans toutes les régions. Ça serait aussi de donner un petit peu de liberté pour partir sur des éléments d'expérimentation, enlever un carcan, enlever souvent ce que l'on entend lorsqu'on souhaite tester des choses, c'est pas possible, le règlement le permet pas, le code le permet pas. Voilà, on voit bien qu'on s'oriente quand même vers une philosophie de droit à l'erreur. Mais je crois qu'il faut qu'on capitalise là-dessus, et les entreprises ont des progrès certainement à faire, mais les entreprises sont capables de s'investir
pour autant effectivement que on leur donne ce droit à l'erreur et surtout que administrativement on leur permette d'aller vers des dispositifs innovants pour travailler, promouvoir l'existence sur le département. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on aille vers une communication dynamique et positive et tous ensemble. Merci. Ce droit, vous revendiquez un droit à l'expérimentation qui est prévu dans la loi, donc pourquoi pas, hein. Je pense que les lois de décentralisation nous ont offert ce droit depuis quelques années, donc il faut en user et en abuser peut-être un peu plus que ça ne l'est à l'heure actuelle. Mais Sacha Houllier, même si le député que vous êtes, vice-président de l'Assemblée nationale, et n'a pas pour rôle de représenter le territoire, mais de faire la loi au nom du territoire et par délégation, comment peut-il agir pour que le fossé ne se creuse pas entre, au point de faire détacher la Vienne du continent de la reprise économique? C'est ça la question finale, avant de donner la parole à cette salle, que j'aimerais vous poser. Moi, j'ai toujours fait campagne, que ce soit sur les deux dernières campagnes comme avant, sur un esprit positif, en regardant avant tout, déjà en faisant une chose préalable. C'est ce qu'on a appelé un audit, ce qu'on a appelé une grande marche, mais en tout cas, de se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et si on se pose deux minutes, on regarde Poitiers, on regarde la Vienne, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bien. Parce qu'on a une université qui a 28 000 étudiants, on a un CHU qui dispose d'outils remarquables, qui emploie 8 000 personnes et qui aujourd'hui est quand même une grosse locomotive locale. On a une économie locale, pour ce qui concerne le secteur privé, qui pèse 8% du PIB en matière de tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici et qui viennent pour voir, visiter. Et on est, malgré tout ce qu'on peut bien subir ou dire, donc subir sur l'aéroport, subir par rapport aux nuisances de la ligne ou la restriction de certains créneaux, ou subir bientôt avec l'élargissement de l'autoroute à trois voies, trois voies sur chacune d'entre elles, eh bien, on a un point névralgique de l'axe nord-sud. Et moi, je peux vous garantir que je croise tous les jours mes amis Limougeaux ou du Limousin en général à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'on se plaint, ils nous disent qu'on a des problèmes de riches. Et ils n'ont pas tout à fait tort, sur ce point de vue. Alors, ça n'empêche pas de nous poser les questions sur ce qui ne va pas, parce que sinon, on n'a fait que la moitié du chemin et on est des heureux béats. Et donc, sur ce qui ne va pas, d'abord, on a un secteur privé qui, par culture, dans la Vienne, est plus déficient, parce qu'on avait aussi une très grande résistance, une très grande force de notre administration locale, par l'effet de la ville, par l'effet de la région, qui, elle, pour le coup, est partie, et puis par l'effet des deux autres employeurs que j'ai cités. Mais ça, c'est justement un défi. On a un vrai problème de logique de clocher, qui est très important, avec une construction de la Vienne qui s'est faite autour de deux agglos, en concurrence avec un département. Et donc, la question des élus, elle s'est posée là, en se disant, finalement, on a un axe qui est très, très, très fort, dans lequel, en plus, le département a meublé l'axe Poitiers-Châtellerault, et il nous manque juste la cohésion de tout ça, parce que, finalement, il y a des zones rurales qui s'en sortent tant bien que mal, et qu'il faut pouvoir accompagner prioritairement, à mon avis, mais avec deux agglos qui doivent travailler beaucoup plus ensemble qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc ça, c'est pour ce qui est le cas. Vous avez parlé, moi je suis assez d'accord à la fois sur la logique de clocher et sur les expérimentations. Expérimentations dont saisissent certaines des collectivités, puisque même si je ne partage pas l'orientation qui a été prise pour tester le revenu de base, il y a 8 départements dans la Nouvelle-Aquitaine qui s'y sont essayés. Et c'est un droit qu'on entend renforcer, parce que c'était une annonce qu'on a faite au Congrès des maires. Donc ça, c'est des outils. Et donner des outils, c'est important. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là. Et là, on arrive sur le rôle du parlementaire. Moi, je ne suis pas là pour vous proposer ni un projet municipal, ni pour proposer un projet départemental. Je pense que je vous ai dit qu'il y avait des pistes sur d'abord l'axe, sur l'urbanisation, construire à partir des portes de la ville plutôt que construire à partir du cœur. Je pense que c'est essentiel sur la façon dont on irrigue une commune ou même dans l'ensemble une collectivité, avoir une image, parce qu'aujourd'hui, on avait construit le Futuroscope pour donner une image à la Vienne. Cette image, elle a un peu passé, elle a un peu fané, elle s'est un peu périmée, parce que c'était la cité de l'image justement de la numérique. Il faudrait pouvoir la reconstruire. Angoulême, c'est donner une image. Angoulême, par la BD, la cité de l'image, elle s'est construite une identité vis-à-vis de l'extérieur. Et cette identité, elle parle. Et ça, c'est ce qui parle. Avec
d'autres avantages quand même, c'est que quand une ville, et là je vais un peu plus loin qu'Angoulême, quand une ville se construit au détriment d'une autre, phénomène de métropolisation, elle le paie. Elle finit par le payer parce que si elle le fait trop vite, elle n'est pas prête. Et c'est ce qui, à mon avis, peut risquer d'arriver à Bordeaux. Et là, j'utilise beaucoup de freins. Mais enfin, on n'est pas à l'abri d'un bad buzz. Hein. Non, mais avec du foncier qui explose, avec des réseaux qui aujourd'hui sont pas à la hauteur de ce qu'est finalement la concentration qui s'opère au profit de Bordeaux, puisque la rocade elle déborde, l'aéroport il est inutilisable, la gare elle fait l'objet de nombreuses critiques par rapport à son afflux trop important. Donc en tout cas ça nous force aussi à regarder sur comment on s'organise et sur la durée de notre organisation, parce que si on fait tout d'un coup trop vite, on arrive sur ce phénomène. Donc le rôle du député, justement, il est certes de trouver des mécanismes ou des outils, donc l'expérimentation dont on parle, mais il est aussi de faire tenir la main à des gens qui ne veulent pas, toujours se parler. Et donc parfois, ça peut être donc, de mettre dans une salle et des chefs d'entreprise et des élus et des étudiants, mais ça peut être aussi le fait d'organiser des réunions avec des élus qui ne savent pas beaucoup. Et c'est pas toujours facile. Et on a déjà raté une ou deux occasions. Mais en tout cas, c'est ce qu'on s'attache à faire entre élus. Et on essaie pour cela de monter l'exemple, parce que tous les rendez-vous qu'on fait, nous, les députés, on nous dirait que c'est plus facile, vous êtes de la même couleur politique. On a quand même un modem. Tous nos rendez-vous qu'on fait vis-à-vis de l'extérieur, on les fait à quatre. Parce que l'image qu'on renvoie, c'est les élus de la Vienne. Et pas l'élu de la deuxième, de la première, de la troisième, de la quatrième, parce que c'est le territoire qui est promu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir renvoyer. Merci. Merci aussi d'avoir respecté les temps de parole. On a réussi, alors j'ai pris les temps à chaque fois, mais je pense qu'on est assez équilibré. Et en plus, on termine juste un quart d'heure avant la fin théorique de cet événement. Et on a donc un quart d'heure pour des questions de la salle et des interpellations de chacun de nos participants. Stéphane Dodon, du MEDEF de la Vienne. Oui, je souhaitais rebondir par rapport aux logiques de territoire et... travailler ensemble avec tous les acteurs, les politiques, les collectivités territoriales, qui soient d'une commune ou d'un département, et les entreprises, devraient peut-être se réunir régulièrement, réfléchir ensemble. Donc c'est ce que certains chefs d'entreprise commencent à tenter de faire. Peut-être qu'il faudrait que maintenant, il y ait un intérêt général qui se mette en place et où on écoute un peu plus le monde économique, et où le politique se dit que tous ensemble, on peut y arriver. Il y a des territoires qui arrivent, peut-être que la Vienne va y arriver. Pour compléter un tout petit peu, pareil, casquette d'économiste, les gens réagissent aux incitations. Donc si vous voulez faire collaborer des gens ensemble, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Et moi qui étais assez critique sur la réforme des régions, fusion des régions, il y a un effet positif assez inattendu, c'est que tous les territoires se disent « Oulala, va falloir contractualiser avec les régions, en plus c'est des schémas prescripteurs ». Donc on a intérêt à arrêter de se faire la guerre, à collaborer ensemble, d'où explosion de l'intercommunalité, et puis un recul quand même assez fort de ces querelles de clocher, on va dire. Donc ça me semble être... on ne compte pas sur le sens a priori altruiste des gens, mais il y a un petit mécanisme incitatif qui fait bouger les positions. C'est pas du tout une problématique vienne. Un des territoires sur lesquels on a travaillé récemment, c'est Belfort-Montbéliard. Vous aviez une agence de développement économique à Belfort, une agence de développement économique à Montbéliard, et on se faisait la guerre pour savoir qui va récupérer l'entreprise. Hein. Donc c'est quelque chose de bon. Et puis après, il ne faut pas non plus faire du politique bashing, quoi. C'est-à-dire que les problèmes, je pense qu'il faut que chaque acteur, compris MEDEF par exemple, côté entreprise, s'interroge sur moi, qu'est-ce que je peux faire bouger dans ma façon de faire pour, c'est une vraie question que je me suis posée, parce que toutes les boîtes privées, par exemple, sont très sur nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des gens, des jeunes qui aient le bon savoir-être. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que les gens ils arrivent à l'heure, qu'ils soient motivés, etc. Et là, je me dis, après, je retourne la question au chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites pour que les gens soient motivés, arrivent à l'heure, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment, à tous les niveaux, plus un travail d'introspection à faire, en fait. Plutôt que de se dire, les politiques, ils sont payés. Ah, les chefs d'entreprise, ils sont payés. C'est comment, à son échelle, on peut faire un peu bouger le système, quoi. Bon, continuons la séquence de psychothérapie collective. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je vais passer par le début de l'amphi en haut et puis je vais redescendre progressivement. Bonjour, je suis Alexandre Elbakir, je suis adjoint directeur en charge de la formation et de l'emploi au sein du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Je vais faire une remarque et poser une question au vice-président de l'Assemblée nationale et au professeur d'économie. La remarque, c'est que la conférence d'aujourd'hui s'intitule « À l'heure de la reprise économique » et que la compétence apprentissage est aujourd'hui exercée par les régions. Nous étions en Poitou-Charentes la première région de France au regard du nombre d'apprentis au sein de la population active, grâce à l'action successive de Jean-Pierre Raffarin, de Ségolène Royal et du tissu économique présent. Aujourd'hui, le gouvernement dit vouloir confier cette compétence aux branches professionnelles qui n'en ont ni les moyens ni la capacité sur l'ensemble du territoire. Comment le vice-président de l'Assemblée nationale peut se positionner sur ce sujet ? Et la question, c'est, vous avez tous abordé la reprise économique du territoire au regard de ses interdépendances, européennes et nationales également. Comment est-ce qu'on peut avoir une reprise économique décentralisée quand aujourd'hui, une bonne partie du cadre normatif est un cadre normatif européen et qu'une bonne partie du pouvoir est dans les mains d'une technocratie européenne à Bruxelles et qu'au niveau national, une bonne partie du pouvoir est dans la main d'une bureaucratie macronienne à Bercy. Donc comment est-ce que dans la Vienne, à l'heure de la reprise économique, les territoires peuvent voir leur voix entendue? J'ai bien fait de commencer par l'eau de l'amphi. C'est assez marrant parce que j'ai eu le même débat avec Alain Rousset et il a perdu par l'exemple. Donc je vais donner l'exemple. On était à Thalès, c'était il y a 2 semaines, et puis on fait le tour de Thalès et on rencontre des jeunes. On leur demande « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je suis technicien de maintenance, j'assemble des pièces, je fais ceci, je fais cela. Quelle est votre formation ? La restauration. Quelle est votre formation ? La coiffure. Où est-ce que vous avez été formé ? Dans l'entreprise. Voilà, donc en fait, si vous voulez, moi, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a investi 200 millions en Nouvelle-Aquitaine, qu'on a rénové 500 CFA, que ça marche, etc. On peut se le dire. Sauf qu'en même temps, on constate que dans toutes les entreprises qui recherchent sur des corps de métiers professionnels, on ne trouve pas ces gens-là. Alors moi, je ne dis pas que c'est la faute à la région aujourd'hui parce qu'elle ne le fait pas. Je pense que la région, pour le coup, Poitou-Charentes ou la région de Nouvelle-Aquitaine n'est probablement pas la plus mauvaise sur ce sujet-là. Et ça, ce n'est pas ce que je dis. En revanche, ce que je dis, c'est que sur l'ensemble des régions, tel que c'est fait, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce que je dis, c'est que par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à la connaissance des bassins locaux, par rapport à la façon dont on met en adéquation la formation des chômeurs de longue durée et par rapport au bassin d'emploi, eh bien ça a plus de sens à les confier à un acteur local qu'à les confier à un acteur national. Donc, la meilleure façon de combattre la démocratie, c'est de s'adapter au terrain. Et la meilleure façon de s'adapter au terrain, c'est d'aller voir comment ça se passe lorsque les gens ont été bien formés, lorsqu'ils trouvent une adéquation finalement entre le métier qu'ils exercent et l'endroit où ils ont été formés. Et ça, aujourd'hui, si demain on arrive à démontrer, dans le cadre de la formation professionnelle qu'on fait, que les régions forment mieux dans leur ensemble, ou si on dit que la région, elle, sur une expérimentation, elle trouve son compte, parce que ça c'est aussi le sujet, hein, elle trouve son compte à prendre une part importante, sans forcément en être le pilote, dans la formation professionnelle, apprentissage et alternant, ben, ça ne me dérange pas du tout qu'on leur laisse la compétence. En revanche, ce que je leur demande, et ce que je leur demanderai toujours, c'est de l'efficacité. Olivier ou Bolga, une réaction ? Non, il y a un sujet avec qui forme et est-ce que c'est efficace ou pas. Il y a il y a quand même des pays où on peut pas demander à des organismes de formation de former des gens pour l'ensemble des entreprises. Enfin, il y a quand même du dysfonctionnement, c'est évident. Enfin, partout, on sait bien. Donc, faire passer des compétences un peu génériques, mobilisables dans tous les secteurs, ok. Après, ça doit se passer beaucoup plus dans les entreprises, c'est évident. Et je me souviens d'un échange entre des gens autour de ces sujets-là, Allemagne-France. Donc encore une fois, surtout pas pour dire « Ah, l'Allemagne est le modèle ». Mais quand même, d'un côté, on recrute les gens et on les forme dans l'entreprise. De l'autre côté, on forme les gens, puis après, on essaie de leur trouver un boulot. Et ben, dans le cas français, quand même, ça marche pas très très bien, on peut dire. Juste par rapport à la capacité des branches à réaliser la formation de ses futurs collaborateurs, je crois que le bâtiment a réellement cette expérience qu'elle exerce depuis de nombreuses années. Ça permet aux emplois d'évoluer en fonction des modifications des postes.
Donc je pense qu'on ne peut pas faire le procès des branches, dire qu'elles ne sont pas en situation, en tout cas pas toutes. Et je pense qu'il y a un certain nombre de branches, que ce soit l'industrie, la métallurgie et puis le bâtiment notamment, qui sont parfaitement en capacité de le faire, et ça donne une certaine souplesse dans l'organisation de ces formations, aussi bien initiales par le biais des CFA que sur la formation continue. Donc encore une fois, évitons d'avoir des analyses globales et voilà, allons vers les dispositifs qui sont les plus efficaces. On parlait du recrutement tout à l'heure et de la volonté ou la demande des entreprises d'avoir des interlocuteurs avec un savoir-être, on va dire avec un certain niveau d'exigence de la part du chef d'entreprise. Alors j'ai découvert il y a assez peu de temps un dispositif qui existe depuis 10 ans chez Pôle emploi. Donc des fois, on va chercher assez loin des choses que l'on a à portée de main. Et les entreprises s'y intéressent particulièrement. J'étais ce matin dans les locaux de Pôle emploi pour faire les tests, qui sont des tests de reconnaissance d'habileté à certains savoir-être nécessaires à certains métiers. Avant d'entreprendre des formations, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, effectivement, posons-nous la question de savoir si les personnes que nous allons faire entrer sur un dispositif de formation ont toute chance de se trouver en situation de réussir et en tout cas d'être à l'aise dans les demandes d'habileté. Hein, c'est même pas des compétences techniques, c'est vraiment des habiletés transversales. Donc ça, c'est un dispositif que l'on a tous à portée de main et que l'on méconnaît. Donc je pense qu'aussi, il y a une vraie nécessité de communiquer sur ce qui existe de façon à ne pas réinventer le fil à couper le beurre chaque fois qu'on a un problème. Voilà. Donc c'est quelque chose que l'on va promouvoir. Le MEDEF a participé à ces démonstrations et s'est plié effectivement au test, le bâtiment l'a fait ce matin. Voilà, donc les entreprises ont aussi la volonté de participer à cet effort et ont la nécessité de toute façon de participer à cet effort. Et un des éléments que l'on constate depuis effectivement la loi NOTRe et la constitution de cette très grande région, c'est que les réseaux d'entreprises n'ont jamais été aussi efficaces, aussi actifs que depuis 4 ans. Donc on a effectivement perçu cette nécessité de travailler tous ensemble, quels que soient les secteurs. Voilà, donc je pense qu'on va vers des actions qui permettront de rendre la Vienne visible. Merci. Une dernière intervention, une dernière question, et puis on clôra cette conférence. Bonsoir, donc merci pour ces échanges. Je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers et je voulais entendre votre réaction sur une position de notre ministre ce matin suite à une interview à l'AEF Suprecherche où donc elle énonce que la position du gouvernement c'est de soutenir l'émergence d'une quinzaine de pôles universitaires à rayonnement international. Et en faisant l'hypothèse que Poitiers ne soit pas dans hypothèse vraisemblable que Poitiers ne soit pas dans cette shortlist, que pensez-vous de l'impact local d'une politique de concentration des moyens? Merci. C'est toujours moi qui ai la patate chaude. C'est pas grave, j'ai l'habitude, à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Chaque fois que ça chauffe, c'est moi qui ai le micro. Bien, non. D'abord, sachez qu'on a un peu anticipé cette politique parce que c'est une politique qui est globale dans le processus des grandes puissances aujourd'hui de vouloir rassembler les universités. C'est même un des effets de la loi LRU qu'on avait identifié dès son adoption. Où on se disait que les universités, de par leur fondation ou de par le foncier qu'elles obtenaient et le rayonnement qu'elles devaient avoir, elles avaient une logique de concentration qui allait naître. Ça n'implique pas nécessairement que les sites déconcentrés subsistent.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Université de Poitiers, on pourrait lui faire des griefs, je crois plutôt que, vu l'ancienneté qui est la sienne, vu la diversité des formations qu'elle délivre, et vu également la taille critique qu'elle possède, elle est en droit très légitimement de réclamer un statut des 15 pôles universitaires de France. Et en tout cas, c'est quelque chose auquel on est attaché et qu'on a anticipé, puisqu'on lui a écrit en ce sens, ou du moins moi je lui ai écrit en ce sens, il y a moins d'une semaine. Alors, évidemment, ça pose une question sur la desserte du territoire, mais je crois également que la façon dont rayonneront les universités en France demain, et je ne suis pas spécialiste du domaine, parce que c'est mon collègue Attal qui s'occupe de ce dossier, dépend aussi de leur capacité à peser aussi sur le territoire qu'elles couvrent. Laissez Olivier Boubolga conclure. Ouais, donc sur le sujet, c'est l'objet d'une autre conférence, on va dire. Mais bon, c'est évident que, à regarder l'ensemble de ce qui se produit en sciences humaines et sociales, sur cette question, faut-il concentrer les moyens sur quelques universités, etc., tous les résultats plaident plutôt contre. Et en fait, c'est une tendance qui est contra-historique. Hein. Dans la plupart des pays, on a plutôt des phénomènes de déconcentration de la recherche. Alors j'entends bien que fusionner, concentrer, ça va peut-être permettre de monter dans le classement de Shanghai, mais est-ce que c'est ça l'objectif ? En fait, on rejoint... C'est un autre sujet, en même temps, c'est le même. C'est-à-dire, est-ce que ce qui structure notre pensée, c'est de la concurrence entre les territoires ? Et donc, il faut être, ah ouais, il nous faut 15 universités à rayonnement mondial, et puis on va monter dans le classement de Shanghai, et ce sera trop bien dans le monde, il y aura des... Bon. Ou est-ce qu'on dit, non, on est allé trop loin dans cette logique de concurrence territoriale, et il faut peut-être renouer aussi avec des logiques d'aménagement du territoire. Pourquoi est-ce qu'on a des universités un peu partout en France ? Parce qu'il faut équiper les territoires. Parce qu'on a besoin de gens formés dans le supérieur. Parce que les besoins en ressources humaines, ça va être ça. Et que, en fait, c'est pas jouable de dire on a 15 pôles universitaires et tous les Picto-Charentais, etc., vont aller se former à Bordeaux. Il y aurait des millions de choses à dire. Les universités qui sont dans le top des classements de Shanghai, hein, c'est quoi ? C'est 8 à 15 000 étudiants. Hein. 8 à 15 000 étudiants. Ils ne diffèrent pas par la taille au nombre d'étudiants, ils diffèrent par les moyens financiers. Ce qui est quand même un sujet très différent. Et on est en train, sur plein d'aspects, on est à rebours de plein d'évolutions. Vous n'avez plus une entreprise privée qui a un site quelque part avec des milliers et des milliers de salariés. Parce que c'est pas flexible, c'est pas souple, on s'adapte mal, etc. Donc on a plutôt de la désintégration verticale. Et là, nous, dans les universités, on est dans une logique inverse. On est à des centaines de milliers d'étudiants sur les sites universitaires. On est en train d'inventer des bureaucraties qui vont être totalement ingérables. Donc je pense que là, il y a une vraie question à se poser. Et je pense que ce qui... Alors après, bien sûr qu'on peut se dire dans quelle mesure on peut mutualiser, rationaliser la dépense publique, etc. Mais sur le mouvement général, cette idée de concentrons la recherche dans quelques lieux, comme ça on va être... En fait, il y a 15 millions d'éléments de preuve contre ça. Et moi, je suis assez convaincu qu'il y a des vrais besoins d'aménagement, de retourner à l'aménagement des territoires. C'était un petit peu évoqué tout à l'heure quand vous évoquiez les réseaux numériques, etc., etc. Il y a du potentiel de création de richesses et d'emplois, il y a du potentiel de production scientifique de qualité partout. Alors ok, on ne peut pas multiplier la dépense publique n'importe comment, mais sortons de la concurrence entre les universités à l'échelle française, nationale, européenne, et classement de Shanghai, on s'en moque. On a besoin de former des gens qui sortent du système de l'enseignement supérieur pour bosser dans les entreprises, créer de la richesse et de l'emploi. Donc faut pas se tromper, me semble-t-il, parce que ça, c'est ultra structurant en termes de politique publique aujourd'hui, et moi je pense qu'on rate des coups à faire ça. Le pays qui a été le plus loin dans cette direction, concentrons la recherche dans quelques universités, c'est le Japon. Vous regardez l'évolution des performances en termes de production scientifique du Japon, c'est un des pays qui se casse la figure. Parce qu'on l'a donné, à quoi ça sert de redonner un euro de plus à Jean Tirole ? Est-ce que vous croyez qu'il va publier un article de plus ? Non. Donc on a intérêt justement à soutenir les antennes, etc. Parce qu'il y a besoin de former des gens et que ça va alimenter le système économique. Même si on ne monte pas en classement de Shanghai, à mon avis, c'est pas grave. Bien.
Merci. Les meilleures choses ont toujours une fin, malheureusement. Je tenais à remercier l'équipe du service communication et relations entreprises de l'IAE qui a participé à monter cet événement. Et comme les meilleures choses finissent toujours par un coup à boire, je vous invite à monter à l'étage pour boire un coup.